Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, armé, sabot, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du Advanced Warfare. Ça faisait un petit moment, je vous ai balancé du Black Ops 2, du MW3. J'ai quand même assez, on va dire, répondu à vos attentes. Vous m'avez dit tonton, amenez du Black Ops 2, amenez du MW3. Donc voilà, dernière vidéo c'était du MW3, celle d'avant du Black Ops 2. Et aujourd'hui on revient pour encore la suite des défis de tonton en mode DNA, bien sûr, avec toutes les armes. Pour les nouveaux abonnés qui me suivent, parce que vous êtes nombreux depuis quelques temps à augmenter un nombre d'abonnés. Donc pour ceux qui me suivent depuis très peu, je vous rappelle que mon objectif en fait c'était de faire des DNA avec toutes les armes. Et honnêtement j'en ai chié pour celle-là, le PM3, franchement j'en ai chié. C'est une arme de merde et vraiment c'était horrible. Donc aujourd'hui je suis bien content, tonton, tu vois, c'est comme quand c'est comme quand t'as mal au ventre, t'as envie d'aller faire caca que t'y arrives pas. Ben là c'est pareil, tu vois, la DNA à le PM3, vraiment c'est de la merde. La cadence elle pue la merde, l'arme elle a un recul de malade quand on tire. Voilà, donc là c'était vraiment super partie. Comme vous avez pu le voir sur ce gameplay les gars, je vais mourir une fois au début et je vais enchaîner une série de 41 derrière. Et il va y avoir un petit truc dans la vidéo, vous allez voir. Vraiment tonton, vraiment, enfin, je vous en dirai un petit peu plus après. Bien sûr c'était sur mon compte solo, donc voilà, des lobbies c'est tranquille, c'est facile. Mais on s'en fout, le but, l'objectif c'est de finir DNA avec toutes les armes. Et celle-là, vraiment un soulagement énorme les gars. Comme vous pouvez le voir, Toto il a coupé un petit peu la crête, il a refait un petit peu la coupe un peu plus moyen. En ce moment, Toto, c'est vrai que je suis vraiment désolé, je me rends compte un petit peu que je suis un petit peu moins actif au niveau des vidéos, je vous en fais 2 par semaine. Avant c'était 3, là j'essaie d'en faire 2, et la dernière fois j'ai sauté de 5 jours je crois ou 6 jours. Mais ne m'en voulez pas parce qu'en ce moment, Toto il recherche du travail à mort et je fais pas mal de tours de bol intérim. J'avoue que je recherche du travail, mais j'avoue que je vais un petit peu à la plage aussi, j'ai un peu bronzé, ça se voit peut-être pas, mais un petit peu bronzé, j'ai pris des coups de soleil. J'ai ça, on va dire que j'ai pas une femme officielle, mais j'en ai 2, on va dire que je choisis entre 2, et en ce moment je drague un peu à droite à gauche, et voilà, tonton il passe en mode dragueur, c'est l'été, il a la marque, il a plus envie d'être célibataire, il a envie d'avoir une petite femme à la maison, donc l'objectif pour moi cet été, ben déjà d'une, c'est la fête. Le travail et la femme, voilà, fête, femme, travail. Voilà, c'était en fait un petit peu le thème de cette vidéo. Je tenais vraiment à m'expliquer dans cette vidéo parce qu'il y en a plein qui vont me dire « Ouais, tonton, c'est vrai que t'es moins actif et tout. » Mais c'est vrai que, vous savez quoi, la dernière fois, j'ai ouvert mon Facebook, j'ai ouvert 273 messages. Vous pouvez pas imaginer le temps que ça prend de répondre à 273 messages. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc je m'en excuse pour ceux qui me suivent sur Facebook, si vous êtes derrière cette vidéo, que je m'excuse vraiment. J'ai vraiment pas le temps en ce moment, je vous dis, entre les CV à droite, à gauche, tout ce qui est. J'ai fait un entretien mardi, j'ai un entretien encore vendredi. Après, j'ai des petites réunions des fois de sociétés, enfin, qui font des réunions en correspondance avec la boîte d'intérim. Donc, on y va, ça dure 2-3 heures. Après, on a des entretiens en direct. Voilà, en ce moment je suis motivé, de toute façon j'ai pas le choix, il me reste 3 mois de chômage, donc ça veut dire que je suis à la rue. Après si je trouve pas de travail, je suis à la rue, et c'est pas YouTube, c'est pas avec les 30 euros de YouTube par mois que je vais réussir à vivre. Mais quand même je me devais, tonton, il devait, pour ses abonnés, quand même je pense à vous, tu vois, je vous ai mis un gameplay quand même, même que c'est une arme de merde, c'est vraiment, on la voit pas beaucoup sur YouTube, c'est une arme de merde et... Je le dis et franchement j'espère que dans Black Ops 3 il n'y aura pas des armes laser parce que franchement ça me saoule ces armes de merde, on dirait que c'est un Star Wars, ça ressemble à rien, bleu, violet, rose, vert. D'ailleurs j'ai une DNA avec l'autre arme aussi là, celle que tire laser, je sais plus comment ça s'appelle, bon, bref, je vous la mettrai bientôt sur ma chaîne. J'ai une DNA à l'IMR encore, j'ai une DNA en mode une balle au sniper au morse. J'ai quand même pas mal de petites DNA et j'ai hâte de découvrir ces nouvelles armes élites, surtout avec la...
la Vector, là, enfin, là, vous avez compris, la SAC 3, en mode normal. Je vais essayer de tenter de faire une DNA en mode normal avec. Ça sera pas mal, ça sera un petit nouveau défi pour Tonton. Parce que j'ai quasiment réalisé tous les défis, je crois, aux armes lourdes, sauf les deux snipers, le Lynx et le NA45. Sinon, voilà, j'ai quasiment tout fini. Enfin, je crois que j'ai tout fini, même, il me semble. Voilà, donc aujourd'hui, Tonton, les gars. Il vous dit, c'est l'été, il est motivé, parlant de femme un peu, il faut que je trouve une petite femme. Et aujourd'hui, voilà, je suis un peu. On va dire, j'ai un peu. Je sors pas avec deux filles, mais j'en drague plus ou moins deux, elles sont différentes toutes les deux. Et c'est pas facile, et honnêtement, ça prend beaucoup de temps de draguer des filles, de faire des vidéos, jouer à Call of, trouver du travail. C'est un peu la galère. Ce week-end, j'ai ma fille, donc ce week-end, je pense que samedi, je vous mettrai un live. Je sais pas si je vous mettrai un live au sniper ou peut-être trois parties d'affilée en recherche et destruction où je fais des bons massacres en RD. Donc je vais voir, je mettrai sûrement un live ce week-end, comme ça je peux profiter de rester avec ma fille tranquille. J'ai pas trop à me faire chier à faire une vidéo, on va dire, parce que quand je fais des lives c'est plus simple. Je vous balance un live tranquille, je fais juste l'intro, la vignette, je coupe le début, la fin, tac, je vous envoie le live. Vous avez la conversation, il y a la facecam, c'est des lives de rediffusion Twitch. Donc pour moi c'est vrai que quand j'ai les week-ends, j'ai ma fille, c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre un live. Donc j'espère quand même que vous comprendrez tout ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que je n'abandonne YouTube, mais là je vous avoue que la petite période d'été et tout, là ça va être, on va dire, pas au ralenti. J'ai pas, quand je dis au ralenti, ce sera comme j'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans. C'était une vidéo vers le mercredi, une vidéo vers le samedi ou dimanche, tu vois, enfin 2 par semaine quoi. Histoire de que la vidéo ait 3-4 jours d'écart entre chaque. Ça peut arriver que je saute qu'il y ait 5 jours et après voilà, il y aura plus court pour l'autre. Mais voilà, Tonton il est là, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai eu pas mal de messages sur Twitter ou même sur Facebook. J'ai vu un petit peu des gens qui m'ont envoyé, qui m'ont dit: Tonton, ça y est, t'arrêtes YouTube, on te voit plus. Non, j'arrête pas YouTube, hein. Regardez mes dernières vidéos, vous allez dans vidéos ajoutées, vous allez voir, elles ont entre 3 et 5 jours d'écart les vidéos à chaque fois. Donc je suis toujours là, c'est que je suis quand même assez actif. Je ne fais pas des vidéos comme par exemple Skyros qui en fait 1 par jour ou GameX13 qui en fait 2 par jour. Moi j'en fais 2 par semaine, je trouve que c'est déjà relativement bien. Faut pas que ça devienne. Comment je vous explique ? Faut pas que ça devienne une obligation, un truc qui me force. Parce que moi je préfère que ça me. Comment dire ? Que c'est du plaisir à faire des vidéos. Tu vois, moi là aujourd'hui je prends du plaisir parce que j'ai pas commenté de vidéo depuis 3-4 jours. Et là ça me fait plaisir. Et j'ai pas envie que YouTube devienne une contrainte. J'ai envie que YouTube. Voilà, ça reste ma petite passion, ma petite activité fun. Donc vraiment, j'espère que vous comprendrez tout ça, les gars. Vraiment. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette arme dans les commentaires, franchement, c'est la merde. Je sais pas si beaucoup d'entre vous kiffez cette arme, mais je pense qu'elle est très peu jouée sur le multi. Moi, personnellement, je la vois pas trop sur le multi. Après, c'est vrai que sur YouTube, bon, c'est une DNA assez rare, voilà, DNA obtenue. Et vous allez voir que Tonton, il va foirer. Quand je vais dire foiré, en fait je vais faire une série de 41 d'affilée. Et c'est là la petite histoire, c'est que Tonton il va foirer, vous allez voir pourquoi. Ça va encore un petit peu, on va voir ça d'ici 30 secondes, 40 secondes. Voilà, j'étais parti, j'ai dit allez j'enchaîne, bah, bah, bim, boum. J'avais mis, je crois sur l'arme, j'avais mis visuel laser, le truc là qui pour, je sais plus comment ça s'appelle, accessoire esprit pour les armes laser là. Et la crosse arrière, voilà, petite triple feed, petite quad de même, voilà, elle est pour, oh quoi, non, elle était broke, non, quad feed, voilà. Et Tonton est en folie, il a dit, ah, ça y est, j'ai fait une grosse série et tout. Et en fait, vous allez voir, Tonton, il va faire le foireux, mais le foireux comme... Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive, je crois, sur une DNA. Vous allez voir. C'est énorme, là, je me dis, ça y est, j'enchaîne des séries de ouf. Je voyais que l'imbattable et tout, j'étais bouillant. J'étais en mode, j'ai fait la DNA, je rush, je suis totalement libéré. Je cavalais de tous les côtés. Je voulais faire du kill. Et voilà, en fait, j'étais tellement pris par ma série que vous allez voir. Tonton il va faire son fucking foireux. Voilà, encore un petit kill, je crois que j'en fais encore un là. Ouais, encore même sur le drapeau, voilà. Tac, tac. On enchaîne même. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la fin de la game. Et Tonton il ne va pas déclencher la DNA. Il va faire son fucking foireux. Tout ça pour faire une série de 41. Voilà, quel teubé. Là, quand la partie s'est arrêtée, j'ai fait non, déjà, j'ai pas envoyé la DNA. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour tout ce que je vous ai parlé par rapport à que je recherche du travail, une femme, mon activité sur YouTube. Dites-moi si cette DNA quand même vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes, les gars. N'oubliez pas de faire un tour sur les vidéos précédentes si vous les avez ratées. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous. On se retrouve ce week-end pour un live sur Advanced Warfare, sûrement Recherche et Destruction. Moi, j'ai un week-end avec ma fille. Sur ce, bonne semaine à tous. À ce week-end et éclatez-vous bien. Allez, ciao, les gars.